une belle journée pour commencer à écrire. Oh, bonjour. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est les prises batterie. Pré-prod, évidemment, pas l'album. Pré-prod. Donc on va enregistrer l'album une fois pour rien. Et là, ça commence maintenant. Voilà. Enfin, la partie batterie, l'essentiel, quoi. Vous entendez que des vieux coups de... des petits coups qui se tapent, mais en fait, il y a un son de batterie derrière tout ça, donc là ça paraît comme ça complètement nul, mais en vrai, ça sonne bien. L'objectif n'est pas propre. J'ai besoin d'un retour, tu vois. Ah bah voilà, je suffit de demander. Bon bah une pré-prod, c'est quoi? Bah t'enregistres l'album, bah ouais, mais une fois pour toi. Ben une fois pour moi, une fois pour vous, une fois pour tout le monde, voilà. Enfin, t'essayes, tu tentes, quoi. Puis après, tu recommences. Tu le fais une fois pour moi, une fois pour toi, enfin, une fois pour vous, une fois pour nous, quoi. Enfin, encore une fois, quoi. Et puis après, tu recommences. Tu le fais une fois pour toi. Je suis le juge de si c'est bien ou si ça ne l'est pas. Et pour cela, j'ai comme instrument un stylo du jugement. C'est bien. C'est nul. Alors qu'est-ce qui se passe? Fred est en train de nous préparer un petit tableau récapitulatif des pistes et de l'avancement de l'album. Et tu as décidé en fait que les gens en fait devaient voir en fait tout ce que je... Ben non, mais montre aux gens. C'est pas pudique de la feuille. Mais en fait c'est un brouillon, après on va faire ça sur un beau tableau comme on faisait à l'ancienne. Ah donc on vous montrera le beau tableau. La vie, la mort. L'alimentation c'est la base de tout. Tu ne peux pas jouer correctement de la musique si tu ne manges pas bien. Faut bien manger. Et après tu fais des bonnes prises. Et puis tu les refais, puis tu les refais. Parce qu'il y a la maquette, après il y a la pré-prod, il y a la maquette, il y a l'enregistrement, il y a le... C'est interminable. T'as dit quoi? Tu me dis quand c'est good pour toi, Yaya. Vas-y. Attends. Je pars quand je veux, vu qu'il y a pas la gratte. Ah, mec, je viens de découvrir que le bouton slash, là, c'est pour faire... Bah c'est fabuleux! Non, c'est génial. C'est nul. Je viens de faire une découverte. J'ai malencontreusement posé mon cul, mon nez, pas mon cul, mon nez sur le siège de batterie. Ça sent le cul, ça sent le fion. Là, ça peut être que le mien parce que c'est mon siège. C'est bien, tu viens de découvrir en fait quelle odeur avait ton cul. Et toi, tu aimerais être mon siège? Soit dit en passant, je n'aimerais pas être le siège de Nico de Bukowski, hein. Toi aussi, des fois, tu as peur d'une chose que personne n'ose avouer. Moi, je l'avoue. Des fois, j'ai peur que mes caleçons fassent des cauchemars. Donc, dans mon truc à caleçons, j'ai un attrape-rêve, en fait. Je suis pas fou. C'est formidable, Un bébé poney vient de naître. Tu as le cancer de la peau. Je te fais vivre des choses incroyables. T'es en train de faire l'avion, là? T'as un problème. C'est vrai que c'est mieux. C'est meilleur, hein. C'est encore meilleur avec une GoPro au bout.